Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une morning routine un peu spéciale car c'est une morning routine que vous m'avez beaucoup demandé. C'est la fameuse morning routine de la veille et du jour de la rentrée. Première vidéo que je fais sur ma chaîne de la série Back to School, pardon. Donc je suis très 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 contente et en fait je vous cache pas que je ne pensais pas que je mettrais autant de temps à tourner cette vidéo, 24 heures à la tourner, vu que bah, évidemment j'ai la veille et j'ai le jour de la rentrée. Donc voilà, commencer cette vidéo. Je vous ai dit, si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, si ce n'est toujours pas le cas et c'est maintenant qu'il faut le faire, je te laisse tout en barre d'infos. Tu as tout, sinon ça s'affichera sur l'écran. De toute manière, tu as tout en barre d'infos. Je vous avais dit du coup que je vous réservais une petite surprise pour la rentrée, parce que je sais que la rentrée c'est pas forcément drôle. On a eu 2 mois de vacances, c'était cool les 2 mois de vacances. On a pu faire la grasse mat, on pouvait faire ce qu'on voulait, on voyait les copains, on voyait les copines, bref, tu faisais ce que tu voulais. Et du coup, pour vous encourager à recommencer une année scolaire dans la joie et la bonne humeur, j'ai décidé de vous concocter, si je peux dire ça comme ça, un petit concours qui aura lieu sur mon Instagram. Donc justement, c'est pour ça que je dis, si tu n'es toujours pas en train de me suivre sur Instagram, eh bien c'est le moment de le faire. En plus, là tu as une bonne raison de le faire, j'ai envie de te dire. On va pas se cacher, ça motive bien de suivre un compte Instagram. Voilà, on ne dit pas plus sur le concours, vous serez tout le jour où la vidéo sort sur mon Instagram, donc restez bien connectés. Donc je vous laisse avec la vidéo, n'oubliez pas avant que je vous laisse avec la vidéo, si cette vidéo t'a plu, tu laisses un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, je te laisse abonner en cliquant juste là, quelque part sur l'écran, ou même juste à côté du titre de la vidéo en bas, pardon. Et puis moi je vous laisse avec la suite.
J'avais demandé sur Snap comment j'avais fait ce que j'appelle moi une crotte sur la tête, une choucroute sur la tête, tout ce que tu veux. Et en fait, vous avez apparemment été nombreuses à avoir aimé mes choucroutes sur la tête cet été. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je pense que pour la rentrée, s'il y en a qui savent pas comment se coiffer, on va pas se mentir, je pense que le messy bun c'est une très bonne idée. Donc c'est parti. Dans un premier temps, c'est pas compliqué de faire un messy bun, j'ai envie de te dire. Si t'as vu plein de tutos sur YouTube, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas la première ni la dernière à faire des tutos comme ça. En premier temps, c'est pas compliqué de faire un messy bun, j'ai envie de te dire. Si t'as vu plein de tutos sur YouTube, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas la première ni la dernière à faire des tutos comme ça. Tu viens prendre, tu montes tes cheveux, tu montes, tu montes tes cheveux, tu les montes à en faire la coupe à la Titeuf, comme j'aime bien l'appeler. Premier élastique, ou tu en peux en prendre qu'un. Si t'es douée avec un, c'est bien. Voilà, t'attaches bien en queue de cheval bien haute et tu serres vite, vite fait. Moi je voudrais bien, ouais, on va dire que comme ça, ça peut passer. Et encore là, c'est... Ouais, on va dire que ça passe. Je pense que j'avais fait un truc dans ce genre là. Voilà, un truc comme ça. Dirons-nous cela comme ça. Et après, j'ai dû tirer dans tous les sens. Voilà. Et je rigole, ça marche. Alors, tu mets une barrette derrière. Si j'y arrive. Donc voilà le résultat avec le maquillage et du coup le messy bun, moi j'aime bien, ça fait un effet coiffé décoiffé. Alors, donc ça c'est fait, la voix off, tu peux reprendre ton boulot, merci. So stay, all you have to do is wait.